Les hommes de Claudio Ranieri ont attendu la toute fin de la rencontre pour l'emporter grâce à leur inévitable buteur argentin. Le pragmatisme est le maître mot pour définir la saison nantaise qui a gagné son 11e match de la saison avec seulement un but d'écart. Personne n'a fait mieux en 2017 à 2018 en Ligue 1, preuve d'un certain savoir-faire de la part des Canaries. Avant ce succès, il y avait eu l'émotion à la Beaujoire avec l'hommage rendu à Philippe Daguillon, le kiné historique du club décédé vendredi à l'âge de 59 ans. Les salariés, les joueurs, les supporters et le staff ont été ensemble pour dire au à cette personnalité très appréciée au sein du club. Bordeaux 0-0 Angers, les Girondins n'avancent plus après le bon pied récolté au Vélodrome, la formation nantaise se devait d'enchaîner face aux promus. L'Estac venu pour prendre des points en vue du maintien a longtemps cru pouvoir y parvenir mais c'était sans compter sur Emiliano Sala, une nouvelle fois décisif pour l'équipe de Claudio Ranieri. L'attaquant argentin compte désormais 12 buts à son compteur, égalant au passage son total de la saison passée. À la fin, la communion avec le public était belle à voir, pour dire une dernière fois, Dag.